Salut, je m'appelle La Frange et vous êtes dans l'émission Du son dans le club. Romantique et nostalgique. J'ai rencontré Carlos, mon guitariste, dans un bar. C'est à la base le meilleur ami d'une de mes très bonnes copines. Et je me souviens qu'on avait beaucoup bu. Et on m'avait un peu vendu Carlos comme une bonne oreille, donc je lui avais raconté mes histoires d'amour hyper dramatiques de l'époque. J'étais un peu ivre et en fait, il se trouve que Carlos aussi était un peu ivre. Voilà, c'était une soirée d'ivresse. C'est Anything de Adrienne Lenker, qui est la chanteuse d'un groupe qui s'appelle Big Thief. Et voilà, cette chanteuse a fait pas mal d'albums en guitare-voix que je trouve assez mélancoliques et assez propices à la période un peu hivernale et même à la période actuelle. J'étais très fan de Avril Lavigne quand j'étais petite. Je vais sortir un EP pour début 2021. Quand j'avais 14-15 ans, j'ai composé un album de 12 titres que j'ai enregistré sur GarageBand. C'était des chansons hyper dramatiques qui parlaient d'amour, de rupture déchirante et de tromperie. Et en fait, moi, juste, j'avais 14-15 ans et enfin, j'avais absolument rien vécu de tout ça. Mais juste, j'étais beaucoup trop inspirée par des chanteuses comme Avril Lavigne ou... Hilary Duff, hein, des trucs hyper américains, enfin canadiens pour Avril Lavigne. Et du coup, je m'étais un peu inventé un personnage de fille hyper torturée, hyper déçue de l'amour. Et j'avais fait cet album sur GarageBand qui s'appelait Happiness, en opposition avec ses chansons hyper tristes. Et voilà, avec du recul, c'était pas un excellent album. D'ailleurs, il est jamais sorti. Talk to you.